Bon, allez. On va pas non plus attendre plus longtemps. On va croiser les doigts pour que ça continue de fonctionner. Tous les doigts. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi soir. Le 24 mai. Déjà, ça file, ça défile. Il me semble que ça fait maintenant plus d'un an que je fais du live, du stream. Alors bien, pas envie de m'arrêter. Donc, je disais la semaine dernière, et je l'ai confirmé toute la semaine, ce soir, si tout se passe bien, on va terminer le live avec une installation de Home Assistant pour faire de la domotique sur Pépère Raspberry Pi. Et donc je vais vous montrer un peu tout ça. J'ai trouvé le moyen de me faire un setup du Schnapps pour vous montrer la partie physique. Parce que bon, voilà. D'habitude, on se concentre plus sur la partie console, écran. On en aura quand même, hein, évidemment. Mais là, il y a toute une partie physique. On va faire un peu de préparation pour s'assurer qu'on puisse faire exactement ce qu'on veut. Parce qu'une des particularités que je veux aborder, c'est qu'on va faire. Pour ceux qui ont suivi un peu le dossier, pendant les vacances, j'avais fait l'installation, alors j'ai dû la garder dans un coin, sur cette petite micro SD. Sauf que bah, cette petite micro SD là, elle avait déjà eu une vie avant, avec un OS, un Raspi OS dessus, Lite. Elle avait déjà 3-4 ans, un peu comme ça. Et donc, la première installation de Home Assistant que j'ai fait dessus. Bah, ça l'a achevé tout simplement. Hein. ça n'a pas duré très longtemps. J'ai voulu tenter. Qu'est-ce que j'ai voulu faire à un moment donné? Je ne sais plus. Mais en gros, j'ai éteint le truc et après. Je crois que j'ai voulu tenter de modifier le paramètre pour activer le serveur SSH de Home Assistant OS. De HAOS. Et ça, c'est. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. J'ai mis la carte SD dans l'adaptateur. J'ai mis ça sur l'ordi portable. Alors déjà au branchement, je me prenais une première erreur de impossible de trouver la puissance pour la carte, etc. Salut Spectre, Jonathan. J'espère que tu vas bien. Donc ouais, voilà, Et effectivement, on m'a confirmé que c'était pas le meilleur support pour utiliser Home Assistant, donc ce soir, on va tenter de le refaire, mais en démarrant sur SSD, parce que si historiquement les Raspberry Pi démarraient sur micro SD, eh bien, depuis quelques années maintenant, ils sont capables de démarrer sur un SSD qu'on branche en USB, donc avec un truc comme ça. Donc ça, c'est un ancien SSD. C'est quoi comme modèle? C'est pas un truc un peu. SUV 400, voilà, il fait 240 Go, donc c'est pas non plus. Mais en même temps, on n'en a pas besoin de plus. C'est déjà gros, on va dire, même pour l'usage. Et donc, avec un adaptateur USB comme ça, alors celui-là, je crois, comme il est pas. SATA 3 gigabits seconde, ouais, donc c'est du SATA 2, en fait. Mais bon, c'est plus que suffisant, hein, pareil, pour ce qu'on va faire. On n'est pas là pour du transcodage vidéo, ce genre de bêtises. Donc voilà, ça devrait le faire. Mais on va quand même faire une petite passe avant. On va s'assurer que le Raspberry Pi soit à jour en termes de firmware pour être sûr qu'on démarre bien sur le. Et du coup, bah, je vais quand même vous présenter. Alors, j'ai qu'une seule scène où j'ai la caméra qui s'affiche. Ton achat est sur une VM sur le PVE. Ouais, bah, rappelle-toi, hein, je m'étais posé la question hein, de me dire est-ce que je vais faire ça. Puis en fait, je voulais vous remontrer un peu le setup avec un Raspi, parce que pour peu qu'on soit pas déjà équipé, parce que PVE, c'est donc Proxmox VE, donc ça implique d'avoir un serveur avec un peu de muscles. Pour dire
Je peux héberger plusieurs machines virtuelles, dont une qui fera du home assistant. Voilà. Mais malgré tout, tu vois, c'est le genre de choses, je suis curieux de savoir, puisque home assistant, c'est la partie logicielle. À un moment donné, on parle de communiquer avec du matériel, des capteurs, des contrôleurs, des actuateurs, ce genre de choses. Comment tu fais pour pour utiliser Home Assistant, voilà, et donc ta clé Zigbee, elle est branchée où? Est-ce qu'elle est branchée sur ton PVE et tu passes le périphérique à ta VM? Ou d'accord, ok. Bon, en vrai, ça, c'est pas un souci quand on n'a qu'un seul nœud. Mais typiquement, à un moment donné, je m'étais posé la question, j'ai dit ok, donc si je déploie sur mon mon cluster Kubernetes, par exemple. Ah, là, brancher la clé, c'est peut-être pas aussi évident. Donc voilà. Donc, du coup, ce qu'on va faire. Alors, je vais basculer Elsenos. La seule scène sur laquelle j'ai foutu la caméra. Alors par contre, comme je l'avais mis en semi-translucide, je sais pas si ça va bien passer, ça va être affreux. On va voir ça tout de suite. De toute façon, sinon, je vais faire le changement de... Je vais faire le bricolage en direct. Donc voilà. Ouais, ça a l'air d'aller. Après, comme s'il y a des trucs qui sont noirs sur le tapis noir, c'est pas la folie. On verra bien. Donc vous voyez, on a pas mal, on a pas mal de choses. On a le Raspberry Pi. On a la clé Zigbee que je vais déballer dans 2 secondes. Ça, c'est un adaptateur pour la micro SD. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une première passe où on va installer Raspi OS, on va faire les mises à jour et installer le et s'assurer qu'on a le dernier firmware à jour pour ensuite tenter de démarrer Home Assistant OS sur le SSD. Alors, il était déjà flashé sur le SSD Home Assistant OS parce que j'avais déjà préparé le truc. Et en fait, je pense que pour l'exercice, je vais montrer comment on refait. Tout simplement à partir de Raspi Imager, quand on est sous Windows, il va très bien, et même maintenant il est dispo sous Linux. On a quelques câbles qui traînent, on a le câble réseau, parce que là cette fois je vais pas bricoler avec du Wi-Fi, je vais le brancher en Ethernet pour être simple. Ça c'est l'alimentation pour le Raspi. Et puis après voilà, on a des. J'ai pris mes deux modèles de capteurs que j'ai acheté, je vais vous montrer après un peu ce que ça a coûté. On a donc le. Alors la caméra. Et le capteur de température et d'humidité. Donc on n'est pas à 70%, hein. C'est dès que je mets mon doigt devant, c'est infernal à quelle vitesse ça monte. Vous voyez là, c'est passé de 68 à 73 d'un coup. Et dès qu'on enlève le doigt du capteur, ça redescend à 68. Enfin, c'est bon. Voilà. Et on a les prises. Donc c'est la marque Nous A1Z. Et à l'intérieur, c'est marqué. C'est marqué Zigbee. Voilà. Donc normalement, vous voyez. Est-ce que vous le voyez? Ouais, ça va. Bon. L'auto... Alors, j'ai trouvé un trépied. Bonsoir, Or. Alors, oui. alors, comment dire? Oui, j'ai un trépied. En fait, c'est trépied plus perche du kit de panneau LED que j'ai acheté pour me faire l'éclairage. Sachant qu'en fait, au final, avec le mur blanc que j'ai devant moi, j'ai utilisé qu'un seul des deux panneaux. Et comme j'éclaire plus derrière, parce qu'en fait, ça sert pas à grand chose, que ce soit un éclairage blanc ou basique, ça m'intéressait pas. J'ai récupéré la partie trépied. Alors, j'ai une version abîmée du trépied qui est là. Que je peux vous montrer là, comme ça. Hop. Voilà. Et donc, en fait, j'ai une perche là. En fait, ça, c'est une vis standard sur laquelle on peut même visser un appareil photo, hein, si on veut. Et donc moi j'ai vissé ça et j'ai un support orientable avec une boule que je peux pas vous montrer parce que du coup tout est installé, mais sur lequel je peux pivoter à peu près, et j'ai un clip pour smartphone qui est très limite pour le Fairphone 4, on va pas se mentir. Pardon, parce que j'ai un gueulé fort dans le micro à peine. À... Et comment
Et du coup, là, c'est posé vraiment au bord du clavier. C'est-à-dire que là, vous voyez le. Bah, d'ailleurs, vous voyez un bout du pied là. Ouais, un bout du trépied là, ici. Si vous, normalement, vous avez le contraste, ouais, voilà. Ça doit se voir à peu près. Donc voilà. Et au final, par rapport à ce qu'on va faire comme bricolage pour ce soir, ça suffit. Parce qu'honnêtement, je me suis souvenu du setup que j'avais fait. J'avais parlé de la vidéo du démontage du Chromebook. Je me souviens du truc de l'enfer où j'avais sorti. J'ai un vieux trépied que j'ai embarqué de chez ma mère sur laquelle qu'ils utilisaient pour mettre un appareil photo à l'époque. Donc, c'est un énorme truc qui fait plus d'1 mètre de haut avec comment? En aluminium et tout le tintouin avec deux rallonges de pieds sur les trois pieds et comment? Et là-dessus, j'avais foutu la perche à selfie que j'avais eue avec un kit pour ma GoPro Hero 3. Parce qu'en plus, c'est la GoPro que j'avais utilisée pour filmer. Et donc, j'avais mis le trépied au bord du bureau, à fond, avec la perche à selfie à la perpendiculaire au-dessus du bureau. Donc, le truc, en plus, pendait comme pas permis. Donc, il fallait pas que je tousse, parce que sinon, ça faisait trembler tout le bordel. Donc voilà. J'ai voulu chercher un truc un peu plus stable, on va dire ça comme ça, voilà, et minimaliste, c'était plus facile. Et bon, là, voilà, ça suffit. Donc, du coup, alors, qu'est-ce que. Ah oui, sur le navigateur, on voit machin, oui, alors j'attends toujours des nouvelles du remplaçant de mon vieux laptop. Parce que. Il se presse pas pour nous le sortir, parce qu'à côté de ça, Microsoft a décidé de casser les couilles à tout le monde en annonçant des PC portables avec des processeurs Qualcomm et de l'IA dans tous les coins, comme si on en avait besoin. Il m'emmerde un petit peu. Mais je désespère pas de le trouver celui-là. Il va me coûter une blinde à tous les coups. Du coup, ce qu'on veut faire, on veut démarrer un Raspberry Pi sur SSD. Donc on va commencer par ça. Je vais mettre les capteurs de côté. Hop. Histoire de faire de la place. Parce que pour l'instant, on n'en a pas besoin. La clé Zigbee, on la montrera tout à l'heure. Alors, oui, hein, j'avais laissé les. Hop. Le bordel là. Hop, voilà. Je vais garder que l'essentiel. Non, on va garder ça. On va démonter. Alors, je vais prendre quoi? Je vais prendre ça. Ça doit aller. On va. Ouais, en fait, il faudrait que je. Hop. De toute façon, c'était à peine vissé juste pour tenir le boîtier. En fait, je suis obligé de le démonter. Yes, yes. C'est l'objectif, hein. Je croise les doigts pour que ça marche. Mais hop. Parce qu'en fait, si vous voulez, le lecteur de carte SD, de micro SD, il est là. Et donc quand la carte SD elle est dedans, en fait, on ne peut pas retirer la carte SD, elle dépasse pas assez. Donc du coup, on est obligé de démonter le truc comme ça pour insérer et retirer la carte SD. À moins d'avoir des ongles de sorcière, ce que je n'ai pas, hein, parce que je me bouffe les ongles en permanence. Pas jusqu'au sang, mais c'est pas glorieux non plus. Hop, je vais foutre ça dans un coin. Du coup, qu'est-ce que je. Oui. Bon, ça c'est fait. Ça, on va garder pour l'instant de côté, on n'en a pas besoin. Ensuite, j'ai déjà installé le Raspi Imager. Il va nous servir deux fois du coup. Alors, on va brancher. Donc ça, normalement, c'était. J'ai repris la micro SD sur laquelle il y avait. Ah ben, il n'y a plus rien. D'accord. Bon, bah, tant mieux. Alors, notre modèle, c'est un Raspberry Pi 3. Alors, je suis désolé, je ne peux pas zoomer sur l'interface. Donc, c'est vraiment vous tapez la taille brute de décoffrage. On va prendre. Est-ce qu'on a. Raspi OS Lite 64 bits, parfait. C'est exactement ce que je veux. Choisir le stockage, le mass storage. Le suivant. Est-ce qu'on veut modifier la personnalisation? Oui. Le nom d'hôte, l'utilisateur, on s'en fout. Les services, on va activer SSH. Oh, bah en vrai, hein. On va s'amuser à mettre un truc comme ça, définir les réglages machin. Dans les services, on met une clé publique. Oui, je dois avoir ça qui traîne.
Oui, parfait. Allez, hop. On va faire ça. Authentification, pouf. Les options, jouer un son quand c'est terminé, éjecter le média, activer la télémétrie, on s'en fout. Tac tac. Donc le mot de passe que je me plante pas, c'est bien deux trucs à la con. Réglages globaux, clavier. Ah non mais t'es sérieux là? Oh la vache, ok, ça réagit comme un truc de. Comme un truc de portable. Alors, on est. Allez, enregistré. Voulez-vous appliquer les réglages? Bah oui, hein. Toutes les données sur le périphérique. Oui. On continue, c'est parti. Vous devez formater le disque. Oui, non mais annuler. D n'est pas disponible, on s'en fout, c'est le but du jeu. Il y a Windows qui décide de s'emballer là comme ça. Donc du coup. Donc l'idée, ça va être. Alors par contre, je me souviens plus. Là, il n'a rien, mais on va quand même le tenter. Je veux vérifier. Parce que. En fait, j'ai un câble avec un bouton qui est fait exprès pour allumer et éteindre. C'est vachement pratique, mais. Là, normalement, il est éteint. Non, il n'est pas éteint. Bon, d'accord, ok. Mais voilà, clic. Vous voyez, je fais clic, il s'allume. Clic, il s'éteint. C'est parfait, c'est ce que je voulais. On va lui mettre le câble Ethernet tout de suite. Normalement, il est branché de l'autre côté, hein. Oui, c'est bon. Puis on va voir s'il s'allume. Est-ce qu'il s'allume? Il s'allume pas parce qu'il s'initialise pas. Il est sérieux? Il veut pas. Non, c'est pas grave. Allez. On verra après. Comme d'habitude. Bon, je ne vais pas le revisser tout de suite, donc en fait, je vais virer tout de suite le tournevis. Je vais saquer ça, je vais garder les vis dedans. Hop. Alors, donc normalement, qu'est-ce qu'il nous dit? Écriture 45. Ah. J'avais oublié ça, les cartes SD, c'est vraiment pas rapide. Hein. Oh punaise, à moins d'acheter vraiment des cartes ultra chères. Bon, faut pas être pressé. Pendant ce temps-là, parlons du matériel. Parlons du matériel. Pour vous montrer un petit peu ce que ça a coûté. Alors, si vous partez sur un Raspberry Pi, on peut aller voir chez Cubi, parce qu'ils sont, ils sont en France. C'est des revendeurs officiels, même si ça se trouve ailleurs. Honnêtement, un Pi 4, c'est plus que suffisant. Alors, si vous partez de zéro, c'est-à-dire si vous n'avez pas de chargeur, si vous n'avez pas de câble d'alimentation, etc. Il y a des kits qui existent qui permettent de gagner un peu d'argent. Sinon, vous partez sur un truc à part parce que, genre, si vous n'avez pas besoin de. Alors, même setup, la clé Zigbee, je l'utilise pas. Contrôleur divers et variés, Xiaomi, Somfy, ça fait le job. Oui, non, mais après, c'est. L'avantage de Home Assistant, c'est qu'il est ultra souple, il sait communiquer avec plein d'éléments, que ce soit du matériel sur lequel il est directement branché ou du matériel distant. Typiquement, je sais que pour ceux qui déploient Home Assistant dans du Kubernetes, par exemple, ils vont avoir tendance à brancher le matériel et utiliser un outil qui s'appelle Zigbee ou MQTT, qui va transformer tous les événements Zigbee en messages qui vont être consommés par Home Assistant derrière. Ça marche très bien. Le Zigbee ou MQTT lui-même, il fonctionne très très bien. Bon, par contre, il porte bien son nom, c'est Zigbee ou MQTT. Là, l'avantage de la clé, c'est que je l'ai flashé. Pour qu'elle supporte le multiprotocole. Donc je peux faire du Zigbee, je peux faire du Thread et je peux faire du Matter, qui sont les deux protocoles les plus récents derrière lesquels les industriels ont décidé de partir, je ne sais pas pourquoi. Pour Matter, si, potentiellement, parce que ça permet d'avoir le même protocole de communication, mais à la fois sur de la radio type Zigbee et sur du Wi-Fi, je crois. Donc ça permet de pouvoir rendre compatible du matériel qui fonctionnait que en Wi-Fi avec du protocole maison. Sans avoir à toucher à la partie radio. Si j'ai bien compris, je me suis pas non plus complètement saucé sur le délire, mais si j'ai bien compris l'intérêt de Matter, sachant que Matter potentiellement voué à remplacer Thread complètement, c'est-à-dire que Thread lui-même il a l'air d'être une première itération de ce truc-là, et Matter c'est vraiment le truc qui a été remis d'aplomb.
Et donc, oui, ce que je disais, c'est que donc, quand vous démarrez doucement, si vous voulez utiliser un truc relativement simple, hein, vous avez des kits comme ça, hein, 70 balles, et du coup, dedans, vous avez le transfo, le boîtier, et la carte, et il me semble qu'il n'y a que ça. Hein. Et il y a même la carte SD. Bon, bah voilà. Et il y a même des radiateurs, parce que oui, ça, honnêtement, pour le coup, le Raspberry Pi 4, on va pas se mentir, pour peu qu'il tourne un peu, il chauffe très vite. Hein. Je le sais d'expérience. Et celui-là, il est à 1 giga de RAM. Alors, si vraiment vous faites pas grand-chose, moi, il me semble que c'est ce que j'ai hein, sur le... Comment ? Oui, voilà, c'est... Quand on fait de la domotique, il faut vraiment, en fait, d'abord se concentrer sur les protocoles. Le fait est que ces dernières années, enfin moi je me souviens, il y a plus de 10 ans, on utilisait du RFX 433, voire des trucs encore plus bizarres, même en filaire. Mais ces dernières années, le Zigbee a pris énormément a pris énormément chez les fabricants, et on trouve toute une panoplie de... Oui, OneWire, merci. Oh la vache. Il y en a qui ont une meilleure mémoire que moi sur les vieux trucs, c'est incroyable. Alors, on a vu, du coup, l'explorateur Windows s'exciter, parce que c'est fini. Alors, on va retirer ça. On va... Oula, j'ai tiré ça comme un demeuré. On va mettre la micro SD dans le bon sens. Hop, voilà, parce que si j'essaye de la rentrer par le cul... Ça a mal se passer. Donc vous voyez, hein, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, vous voyez, la micro SD, elle dépasse pas. Hein. On est vraiment affleuré au boîtier, et donc du coup, bah, quand tout est emballé, on ne peut rien faire. Passer un ongle là-dedans, c'est juste une tannée. Alors, du coup, c'est dedans... Alors normalement, si la LED verte s'amuse à clignoter et qu'elle continue de clignoter, c'est qu'il se passe des choses. Ça a clignoté vite fait, mais... Et là, on va me dire qu'en fait, c'est pas la carte SD qui est morte, c'est le... Ah. Ok. Bon, je pense que c'est parti. C'est parti. Ça a bougé. Ce qui m'emmerde, c'est que pour l'instant, je vois pas encore le... Si, ça y est. Hop. On a les diodes pour la carte réseau, donc ça veut dire que ça a dû démarrer comme il faut. On va chercher un petit peu... On va passer sur... Normalement, il me semble qu'il y a des trucs plus rapides du genre ARP scan ou un truc comme ça. Alors, on a quoi? LAN.home. Non, ça c'est... Hop. Alors, j'ai quoi? Host is up. Oh, putain, oui, mais du coup, il m'a tout fait... J'ai fait n'importe quoi, en fait. Alors, paf, 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 c'est quoi ça? Device52.home. Ouh, il me plaît bien, lui. Non, c'est pas possible. C'est pas device 52. C'est mon as. Ok, alors, du coup, filter. Ouais, vraiment, j'ai fait une dinguerie. Putain, il va être ouf. Alors, frontière. En plus, je me souviens même plus où est le... Bertha, ça c'est moi. Tac, tac, tac. Ah, là c'est closed, carrément. Point 30. Je me souviens. Honnêtement, je me souviens plus. En fait, j'aurais dû enlever le -pn parce que ça sert à rien.
Ouais, voilà, là je vois que les appareils qui sont debout. Alors, le point 6, lui je le connais, c'est le Raspberry Pi qui me sert pour de home cinéma. Ensuite, le point 30, je sais pas ce que c'est, mais il me dit que le SSH est fermé, donc de toute façon ça m'intéresse pas. Alors, par contre, ah, le 31 a un port SSH d'ouvert, sachant que j'ai rien mis dessus, ça sent le truc à essayer. Alors, du coup, on a créé un utilisateur. Alors, normalement, si je fais ça, ça devrait marcher. C'est celui-là. On est sur le Raspberry Pi. Voilà. Parfait. Alors, du coup, on va commencer par... Ah, mais il me demande même pas le mot de passe. Ok, bon. Ça avait bien la mettre de mettre un mot de passe à 5 caractères. Qui commence par un du et qui se termine par un con. Du coup, il nous dit 42 packages. Ok, alors. Hop, on va faire ça. On va se mettre... Hop là. Petite rasade de flotte. Donc ça, sur du Raspberry Pi récent, normalement, c'est pas la peine de le faire, hein, de passer par cette étape où on refait un petit passage par, par Raspi OS. C'est vraiment juste parce que je veux m'assurer que le firmware, il est bien à jour, parce qu'honnêtement, il a pas non plus... ce Raspi-là, il a eu une vie particulièrement calme, et je garantis pas que toutes les mises à jour, et notamment les installations de firmware, se sont bien passées. Alors du coup, pendant que ça s'amouline, parce que comme c'est sur une carte SD lente du cul, c'est pareil, ça prend 4 ans. Donc on disait, voilà, vous avez des starter kits qui existent pour démarrer avec un Raspi. Alors 1 giga, comme je disais, c'est un peu léger. Moi, pour faire le premier test, ça allait. Encore que ça n'a pas dû aider par rapport à la carte SD, donc potentiellement, voilà. Et puis après, au niveau du matériel lui-même, oui, c'est lisible, c'est bon. Vous avez la clé Zigbee elle-même, c'est 27€. Ouais, je me suis pas fait mal. Hein. Ensuite, je suis parti directement sur un lot de 4 prises, parce que pourquoi pas, connecté, qui du coup coûte 62€. Alors évidemment, hein, vous pouvez les acheter par mois. Hein. Il y a des packs de 2, vous pouvez acheter à l'unité, mais là, c'est pas forcément intéressant. Et pour terminer, je suis parti sur un lot de 2 capteurs de température humidité avec, à 39€. Du coup, les deux. Et donc, pareil, hein, vous pouvez acheter à l'unité si vous avez envie. Je sais que chez Sonoff, ils font pas mal de matos autour de Zigbee. Vous avez les clés, parce que la clé, c'est une Sonoff. Vous voyez, celle-là. Vous avez des interrupteurs sans fil. Carrément. Et comment ? Vous pouvez brancher des appareils et les contrôler à distance. Vous avez carrément des blocs aussi qui s'attachent au tableau électrique. Jusque là, quoi. Les prises connectées, c'est des modèles que tu peux flasher. Très bonne question. Honnêtement, pour le coup, comme c'est, je cherchais vraiment un usage basique pour du Zigbee, j'ai pas cherché à faire plus. Parce que oui, je sais qu'il y a des... Il y a des prises avec des firmwares qu'on peut modifier. Il me semble que sur... Alors, on va dire Feu Next Impact, mais normalement, il y a moyen de retrouver l'article. Ils avaient présenté un modèle de prise connectée comme ça. Donc, à savoir que ces prises connectées-là, on peut... donc, ça fait mesure de la console. Alors, déjà, ça supporte... On peut mettre jusqu'à 3600 watts dessus, donc on peut quand même y aller un peu sérieux. Et en plus... Donc elle fait la mesure de la consommation et on peut les activer, désactiver via Home Assistant. C'est assez intéressant. Et donc oui, il y a des modèles où... Alors, c'est des modèles, le sysadmin qui est en Espagne sur Twitter, j'ai bouffé son nom, on a flashé un paquet.
Je vois plus trop de qui tu parles, mais bon, ça, non, mais ça me surprend pas. Hein. Je voilà. Après, il y a entre le matériel qui fonctionne de base, le matériel qui pourrait fonctionner bien de base, mais qu'il faut, qui pour lequel il faut remplacer le logiciel interne pour que ça fonctionne mieux, ou pour fonctionner encore plus que ce que ça fait actuellement, comme là, moi, ça a été le cas avec. Putain, elle est même pas finie. Quel enfer. Comme moi, ça a été le cas avec la clé Sonoff. Hein. Et tiens, bon, en attendant, parce que ça continue de mouliner. Hop. Alors, ça c'est l'antenne. Ouais, noir sur noir. Franchement, j'ai fait ça bien ce soir. Heureusement que j'ai un. Au final, le fait que ce soit un peu simili transparent. Alors. Hop. On va monter comme ça. Voilà. En fait, je suis. C'est con parce que j'ai 3 secondes de décalage, mais c'est mieux. Ok. Et donc je le brancherai comme ça au cul du Raspi quand on en aura besoin. Pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, viens, j'ai les mêmes prises chez Akara. Mesure puissance plus on-off. API Xiaomi. Ouais. Si Asha est dans les choux, c'est wife compliant. Oui, ah bah là, alors, j'ai pas montré, parce que je voulais le montrer au moment, mais on peut en parler maintenant, parce qu'effectivement, on a beaucoup d'attentes, là. C'est qu'ici, il y a un bouton. Donc, vous devez entendre le clic, vous, parce que moi, j'ai coupé le retour du micro. Mais et en plus, il y a voyant, c'est-à-dire que là, en fait, c'est translucide, c'est pas pour rien, c'est qu'en fait, le ça s'allume. Donc, c'est en rouge quand c'est allumé, et si on appuie dessus, on voit le truc s'éteindre, et on entend même un clic. Alors, par contre, un truc que je qui n'a rien à voir avec la partie connectée de la prise... Alors déjà, effectivement, c'est marrant parce que tu parlais d'Espagne, on se rend compte que on a l'impression qu'il n'y a pas la broche pour la prise de terre, parce que ça fonctionne sur le modèle des prises espagnoles, qui est au même format que les nôtres, mais sans la prise au milieu, et la terre, en fait, elle est prise sur les côtés. Vous voyez, les espèces de vous avez deux pattes ici, qui sont ultra dures sur celle-là, et même un peu trop, je trouve. Ça pourrait être un peu moins serré, mais qui joue le rôle de connexion pour la prise de terre. Et en fait, bah, si vous avez j'ai un truc mal sous la main qui pourrait servir d'exemple, pour que vous compreniez pourquoi ça marche chez nous malgré tout. Où est-ce que je vais avoir ça? Transformateur d'ordinateur peut-être. Oui. Bon, pas de bol, juste les câbles du coup, ça suffit. Voilà. Donc, si vous vous étiez peut-être jamais posé la question, mais sur ce genre de prise, donc on a l'habitude d'avoir nos deux broches et le trou pour la terre. Et en fait, vous avez aussi des connexions à l'extérieur, ici. En fait, la terre se prolonge d'ici sur les côtés. Et en fait, là, c'est la même. Et du coup, vous avez les deux broches qui sont là, qui viennent se mettre dessus. Et dans d'autres pays, moi, j'ai vu ça notamment en Espagne, mais je pense que c'est valable aussi dans plusieurs autres pays. Et bien, en fait, vous n'avez pas la broche au milieu, vous avez que sur les côtés pour remplir la terre. Donc, du coup, ça reste compatible et il n'y a pas de souci. Donc, faut pas paniquer quand vous achetez ce genre de prise et que vous ne voyez pas la broche au milieu, l'équivalent pour la terre ou bien plein milieu. Tant que vous avez les bornes sur les côtés, vous avez votre prise de terre qui est supportée. Voilà. Tout bête. Bon, est-ce qu'il a fini de nous faire souffrir, lui? Oui. Alors, du coup, maintenant, on le reboot. Ah, il veut pas. Oh. Vas-y, redémarre. On a déjà redémarré. Et après, comme j'ai plus l'habitude, hop, je m'étais gardé un petit truc sous la main. Oui, bricole. Ce qui m'intéresse, ça va être surtout les... Voilà, RP update, RP et prom update, or tiret D, tiret A, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais... Au pire, on va regarder un petit peu comment ça marche.
Donc il nous dit que normalement on peut le faire directement avec le machin, qu'il suffit de débrancher la carte SD. Bon. Et que si ça marche pas avec le SSD, enfin si ça marche pas avec juste le SSD, tentez de forcer la mise à jour du. Ouais, alors bon. On verra bien, hein. Alors, je vois qu'il y a des. Mais bon, il a redémarré. Ah. Alors oui, une petite remarque par rapport au fait que si jamais achat est dans les choux, tu peux toujours passer par l'application Xiaomi Home. Alors certes, mais l'idée c'est quand même d'éviter de passer par un truc où t'es quasiment certain que le Xiaomi Home, il appelle pas seulement ta maison, mais aussi la maison en Chine. Le but du jeu d'avoir un home assistant, c'est quand même d'essayer de garder au maximum le truc sous contrôle chez toi sans... Alors ça vient avec ses propres contraintes, évidemment, hein. Mais l'idée c'est de pas avoir un truc qui traîne à l'extérieur comme c'est pas permis. Du coup, pour se simplifier la vie, je vais passer en route. Alors, qu'est-ce qu'il nous rajoutait ? RP Update, alors c'est quoi ça ? Does not accept command line dash parameters. Ah, pas de bol. Performing self update. Ouais. Ok. Alors du coup, c'est quoi les autres trucs? Pourquoi on a un RP et prom update Lui, ça va être la même, c'est ça, non? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Tac, tac, tac. Alors, oula, il y a beaucoup de texte. Il y a beaucoup de texte. Alors, on est où? Là. Un non-argument pour l'interrogation. Donc, il n'a pas aimé. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Bootloader et Prom Update Tool. D'accord. Pour le Raspi 4 et 5. Ah! Bon, déjà, ça ne nous concerne pas. Ok, donc ça ne va pas être ça. Donc, lui, on laisse tomber. D'accord. Mais le RP update, lui, a priori... Alors, est-ce qu'on a un truc comme ça? Est-ce qu'on a un petit man, vite fait Évidemment, il n'y a pas. Hop. J'en suis conscient. Oui, bon, tant mieux. Hein. Enfin, c'est après... Je le rappelle pour la culture, mais... Bon, alors... Alors. Du coup... Est-ce qu'on tente de le faire directement? J'ai peur, moi. Je sais pas pourquoi. Mais... Est-ce que Raspi Config permet de nous faire un truc là-dessus? Non, ça c'est... Si, alors... Ah ! Raté. Qu'est-ce qu'on a ? Display, interface, performance, on s'en fout. Advanced settings, on a quoi ? Expand file system, non. Network interface name, non. Wayland, audio config, non. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'on a ? Update this tool. C'est déjà fait ça, normalement. Allez, tu sais le faire. Oui, bah oui, oui, ça je sais, merci. Je m'en doutais un petit peu. Ok. Bon, via Raspi Config, a priori, on peut pas le... Ouais, non, on peut pas trop le chatouiller là-dessus. Ok, bon. Bon, alors, vous savez quoi ? Hop, on va... Tudut. Le lecteur rencontre un problème. Oui, mais c'est pas grave. Alors,
Non, modèle Raspi 3, ça, ça bouge pas. Alors, oui, vas-y, tais-toi. Cette fois, on veut... Alors, on va aller dans Other Specific Purpose, je crois. C'est ça, Home Assistant, Home Automation. Donc là, on est là-dessus. Et on va prendre Home Assistant, ici. On a la version 12.3 pour Raspi 3. Dernière mise à jour qui date du 8 mai 2024. Parfait. Choisir le stockage, on a le 240 Go. Parfait. Suivant. Toutes les données, oui. Là, il n'y a pas de paramétrage sur Home Assistant OS, donc on va le faire. Et comment ? Et là, on sent déjà la différence. C'est pas la même salade qu'avec la carte SD, hein ? Et pourtant, là, on est limité à... Oui, on est limité à 250 mégaoctets par seconde, je crois, un truc comme ça. Et... sachant que derrière, sur le Raspi, en plus, c'est des prises, comme on est sur un Raspberry Pi 3, c'est des prises USB 2, donc on sera limité à moins de 400 mégaoctets par seconde. Ok, donc là, il nous dit, c'est bon, ça a bien été flashé, parfait, tant mieux. Du coup, je vais y aller à la bourrin, je vais prendre le bouton, on va éteindre le Raspi, on va alors oui, de toute façon il est éteint donc on s'en fout. Retirer la carte SD parce que il paraît que c'est comme ça que ça marche. Voilà, on va brancher le SSD. Alors par contre, ouais, avec le... Ah oui, alors c'est ça, il faut que je fasse attention, c'est à dire que par rapport, parce que le problème c'est que la clé Zigbee, elle fait une certaine taille, hein. On va pas se... voyez, c'est un gros connecteur et c'est un gros boîtier autour. C'est du métal, hein. C'est vraiment, c'est fait pour refroidir. Mais du coup, ça prend de la place au niveau des prises. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de brancher. On va regarder tout de suite. Je vais brancher le SSD là et normalement, je vais réussir à brancher. Oui, voilà, ça va passer. C'est pas, ça frotte, hein. Je vous mens pas, ça frotte, hein. Donc vraiment, je pourrais pas le faire autrement. Éventuellement dans l'autre sens, mais là, on serait vraiment... Après, on buterait sur le de l'autre côté, sur la partie Ethernet, donc ça m'intéresse pas plus que ça. C'est le genre de setup, en vrai, si vous pouvez vous permettre une rallonge USB. Ouais, bah... Alors, attends, tiens, si ça se trouve... quelque part, dans le fin fond de mon tiroir, je dois avoir ce genre de bêtises. Aïe ! Il y a aussi d'autres bêtises qui font mal aux doigts, là. Le con. Il me semble avoir vu un truc dans le genre là. Oui. Oh, ah oui, puis alors celle-là. Ouais. Tada ! C'est la rallonge que vous pouvez alors normalement. Et c'est là que ça va plus marcher. Et normalement, une fois arrivé au bout, voilà, c'est censé pouvoir se rétracter. Sauf que comme ça fait des années que ça n'a pas bougé, ça veut plus se rétracter. Voilà, mais c'est censé. Donc en vrai, on peut. En vrai, on peut. En vrai, on va le faire. Alors je m'en fous, j'ai testé pendant plus quelques jours sans que ça bouge. Hein, mais enfin, ceci dit, j'avais rien branché sur l'USB à côté. Après, le fait est que malgré tout, je sais que j'ai lu des articles où ils recommandaient d'éloigner la clé Zigbee pour éviter les interférences avec soit l'USB, soit l'Ethernet, soit le Wi-Fi du Raspberry Pi, si jamais vous utilisez le Wi-Fi. Donc, bon, voilà. Alors, du coup, cette fois, normalement, on a tout branché. Feu ! Bon... Ça a pas l'air de bouger, hein. Alors si ça se trouve sur le Raspi 3, il faut faire autrement et on va, et je vais devoir chercher.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, il date de quand ce truc-là? J'ai l'air con si ça marche pas en fait. Ouais, il fait peur. Il fait peur ce truc. Non, mais ça m'intéresse pas en fait. USB boot mode. Ah merde. Ok. Alors du coup, ça veut dire qu'il booterait forcément sur la carte SD, mais en fait. Faudrait lui mettre sur la carte SD et lui dire qu'il boot sur le. Il faudrait que je garde le Raspi OS, donc il faudrait qu'on le rebranche. Oh, ça ferait mal, quoi. Ah non, c'est once USB boot is enabled, it can't be reversed. Oh, bah. Comment dire? Un truc qui fait moins peur là. Non, c'est pas celui que j'ai. Ça c'est .fr et là c'est .com. Ouais, mais c'est le même délire, non? Ouais, c'est le même délire. C'est le même délire, c'est juste la version. Alors on a quoi? Alors, plus d'options. Tout refuser, qu'est-ce qu'il nous dit? Je déteste ça. Débutant, domotix sur Raspi 3. Bon, bah c'est rigolo parce qu'on est dans le même truc. J'ai fait les modifs pour modifier le bootloader. Oulou. Ok. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai cloné. Hein, j'ai fait simplement un clonage avec l'utilitaire de Raspi. Ça a fonctionné deux fois tout de suite. Ouais. Ouais. Hein, ok. Nia, nia, nia. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Tu viens de faire la démonstration. Bah, là, de toute façon, là, on n'a rien. On n'a rien qui démarre. Donc, de toute façon, on est bon pour. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il suffit d'écrire l'image avec Imager pour s'affranchir totalement de la carte SD. En pratique, il faut que le disque soit OK. Ouais. Oui, mais ça, c'est sur le Pi3B+. Moi, ça doit pas être ça que j'ai. Hein. J'ai un quoi? J'ai un 3, modèle B, version 1.2. Oui, donc c'est pas un plus. Hein. 2015! Allez, ça commence à... On va dire que ça commence à chauffer. Hein. Alors le fait est que. Ah putain, ce serait ça le problème. J'aurais que 3. Oh, pourtant il y a 3 ampères, je peux aller jusqu'à 15 watts. Je sais que le Raspi lui-même en consomme 4. Donc en vrai, on est censé être plus que large. Hein. Mmh. Ah mais là ça parle de 3B plus aussi, ça me ferait peur de. Alors, est-ce que j'ai fait le test avec carte SD? Alors oui, si tu te souviens bien, ça c'était pas bien fini. Si on veut vraiment gagner du temps et laisser tomber le SSD, parce qu'a priori je suis en train de. Si ça se trouve, comme d'habitude, je me suis pas forcément bien préparé et je pars du print et potentiellement. C'est pas possible de booter le Raspi 3, mais a priori si.
Mais sauf qu'a priori, moi ce qui m'emmerde, c'est qu'une fois qu'on a fait le boot. Ah, ok. D'accord, donc on est obligé de repasser par Raspi OS. D'accord. Il faut l'activer autrement que faut l'activer à la main. Ok, bon. On va débrancher. En fait, on va débrancher tout le bordel pour l'instant parce qu'on n'en a pas besoin. On verra après. On va remettre la carte micro SD. Bon, redémarre. Lui, il est mort, j'ai fait le con. Hop, du coup. On va faire ça. Pile. Ça va. Hop, c'est bon, j'ai récupéré la main. Voilà. Alors. M'embêter longtemps avec ça. Donc du coup, alors, on va vérifier quand même, repérer toutes les étapes pour s'assurer. Vas-y, déjà installe-moi ça. On va se taper. Je me disais aussi qu'il y avait des trucs, il fallait le faire à la main. Vous voyez, c'est le genre de truc, faut vraiment faire attention quand on prend les articles, parce que le mec dit, ouais, j'ai testé sur API 4, mais ça devrait marcher pour les autres. Alors oui, mais non. Alors, on est bien sur le 102.0.0.0.A qui dit va te faire foutre. Ok, donc du coup. Non, pitié. Config.txt, il nous dit do not exit this file. The file you are looking has moved to slash boot, slash firmware, slash config.txt. Ok. Ok, donc tout est là. Tout est là, tout est là. Du coup. Ok, donc il n'y a même pas la commande. La commande pour le. Comment? Alors, scroll to the bottom of the file. Ok, donc on va mettre dans le hall. C'est ça, a priori, c'est ça. Oui, parce que là, après, il y a des trucs qui sont en tant que. D'accord, on s'en fout. Du coup, c'est ça qu'on veut. Programme USB boot mode. Voilà. Clac. Ensuite. Ensuite, il faut restart. Bon. On restart et puis on va voir ce qui se passe. Évidemment. On va y arriver, on va y arriver. Hein. Il nous reste 1 heure. On devrait y arriver en 1 heure. En tout cas, là, sur la partie home assistant, maintenant, je sais où aller. Donc, et en plus, ça devrait être beaucoup plus rapide. Si on démarre comme il faut sur USB, ça devrait être beaucoup plus rapide que ce que moi j'avais fait avec la carte SD, parce que sur la carte SD, c'était vraiment terrible. Mort. Le con, ne jamais respirer en même temps que vous buvez. Je suis ce genre de con. Alors, du coup, là, si on fait ça. Ah ah! Donc, a priori, on est bon. Cette fois, on peut.
Donc là, on est censé pouvoir dire... Oui, bah ça c'est bon, ça c'est fait déjà. Ok, oui. Donc là, normalement, maintenant, on peut éteindre. On va éteindre. Et là, cette fois, on est censé pouvoir démarrer sur... sur USB. Je vais juste démarrer sur USB pour l'instant. Je ne vais pas brancher la clé USB tout de suite. Parce que de toute façon, on n'en a pas besoin. Mais... et en fait, dès qu'on va brancher le matériel... En tout cas, ça s'était passé comme ça, moi, la dernière fois. Dès qu'on va la brancher, il va la reconnaître. Donc là, voyons voir. Allez. On allume. Mais j'ai pas de voyant pour le SSD sur ce truc-là. Il me semble que j'ai de quoi le voir sur l'autre adaptateur. Autre adaptateur. Ça n'a pas l'air de vouloir booter. Hein. Ah, si. Ah, ok, j'ai pas le voyant d'activité, mais là, cette fois, j'ai la carte réseau qui s'est allumée. On voit bien. Voilà. La carte réseau s'est allumée. Alors. Ah oui, bah oui, bien sûr. Bon, allez, c'est pareil, j'ai fait le con. Hein, c'est quoi, c'est RPScan hein, qui existe, qui permet de faire un... Non, je sais pas. On va reprendre le Nmap, on va voir ce qu'il nous dit. Je vois des réponses, donc c'est ça m'intéresse beaucoup. Là, je vois une IP en 31. Là, il lui aurait donné une IP en 30. Alors que le port SSH soit fermé, c'est normal. Hein. Mais... Ah, et là, j'ai un 80-80 d'ouvert. Ce serait pas mal, ça, non? Est-ce que c'est du 80-80 qu'on a sur le... Si on fait ça et qui teste tous les ports. J'ai peur, hein. Je vois pas d'activité sur le port quand je fais le ping. Ok, bah c'est le 31 quand même, bah je sais pas pourquoi le... Mais alors du coup, je sais pas pourquoi je le voyais pas sur la liste avant. Si on fait ça... Ouais, alors si je fais ça, ça va être galère, il va mettre 300 ans, quoique il y a que le... parce que sinon, c'est quoi? C'est home. Quand je prends home assistant, le port c'est 8123. Donc si je fais ça, et que je me fais ça, 1.31. Est-ce qu'il va répondre? J'ai pas l'impression. Hein. Ce qui est ouf, c'est que je vois le réseau arriver. Enfin, je vois l'activité sur la carte réseau. Mais j'ai pas l'impression qu'il... Il réagit pas. Ah. Mmh.
M'embête, hein. Il m'embête. J'ai un problème quand on fait le PN comme ça, c'est que c'est ultra long pour qu'il affiche les trucs. Ce qui est ouf, c'est que le ping répond, donc ça me surprend un petit peu en fait. Parce que c'était bien l'adresse IP qu'on avait utilisée, ouais, c'est ça. C'est quoi? C'est mon laptop en or? Non, moi c'est 46. Je sais même pas ce que c'est que l'IP30. Le téléphone peut-être? Je me souviens plus. Ah, il y a moyen. Il y a moyen, il y a moyen. Oui, c'est ça, le 30, c'est mon téléphone. Ok. Bon, bah, c'est pas glorieux tout ça. J'ai fini par avoir du réseau, mais. Mais sauf que le truc démarre pas. Alors, je sais pas si sur le port HDMI, on verrait quelque chose au démarrage de Home Assistant. Auquel cas, on peut tenter. Tenter, hein. C'est loin d'être garanti. Est-ce que j'ai un truc où il y a encore HDMI capture avec l'USB vidéo? Ah, ça se tente. Hein. Ça se tente. Bon, il veut pas me, il veut pas me le rendre la main. Hop, allez. On va être bourrin, on va tenter des trucs. Alors. J'essaye de voir quelque chose. Hein. Je ne garantis pas qu'il y a quelque chose. C'est ça la difficulté. Il me semblait qu'à un moment donné, VLC permettait d'ouvrir les trucs. Ouvrir un périphérique de capture. Ça va être tout noir. Bon, j'éteins et je rallume, on va voir ce qui se passe. La fois où j'ai essayé, la première fois où j'ai essayé de faire ça, ça s'était pas bien passé. Voilà, donc il y a quelque chose, mais Ubuntu a l'air de gueuler. Ah, ok. Bon, en fait, je sais pas pourquoi. Donc en fait, il veut pas booter dessus. Il veut pas booter dessus, je sais pas pourquoi. C'est gavant, évidemment, parce qu'il fallait que ça tombe vraiment. Ça va se finir où je vais vous le remontrer sur la carte SD. Alors, je vais voir un peu ce qui se passe. Parce que j'ai un deuxième adaptateur SATA. Et je sais que lui, il a un petit voyant pour me dire coucou. Ça marche ou ça marche pas. Donc du coup, je vais le brancher. Et on va voir ce que ça donne. Alors, un petit peu. L'idée, c'est de le remettre dans le champ. Ah, je vais virer ça, parce que ça sert plus à rien.
Donc là, il l'allume. Starting kernel. Ah! D'accord, donc ce serait mon adaptateur SATA qui passait pas? Ah bah mince! Ok, alors un truc à savoir, Home Assistant OS fonctionne énormément sur avec du Docker. Et donc quasiment tout ce qui est activé comme application, etc., tout ce que vous voyez en interface web et compagnie, c'est de l'image Docker, tout simplement. Alors, waiting for the Home Assistant. Alors, je ne sais pas ce que c'est, to be ready. Ah, la vache, faut... Je sais pas s'il y a un truc qui permet de paramétrer la gueule de la vidéo, mais... Alors, en fait, Home Assistant, il y a plusieurs, composants dedans. Et je sais que je vais y arriver. Et je sais que bah, typiquement l'interface web c'est un composant, le core c'est un composant, et tout ça c'est des containers différents. Et donc il y a potentiellement aussi. Alors, tada, bah voilà, 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 enfin démarré. Bon, là, il râle parce qu'il a pas le son, mais ça, c'est pas très grave. Ça, j'avais commencé à me renseigner dessus parce que justement, quand j'ai commencé. Et donc, typiquement, quand il y a un module qui permet d'activer du SSH. Bah, je sais pas. Après, Home Assistant, il y a plein de modes d'automatisation. En tout cas. La version que j'ai là, moi, je sais que c'est celle que j'ai que j'ai installée la première fois, et on en était là. C'est-à-dire que C'est-à-dire qu'en fait, techniquement, c'est du Docker en dessous. Donc l'interface web, c'est un container. Le corps de Home Assistant, c'est un container. Quand vous activez le SSH, c'est un module qui démarre un container dédié qui va communiquer avec le corps. Donc en fait, on a une ligne de commande qui est très limitée. Ça permet pas de faire du debug bas niveau. Pour faire ça, c'est un truc un peu con où il faut une clé USB sur laquelle on met un fichier. Un petit peu finalement comme la création du fichier SSH pour activer le service SSH au démarrage de Raspi OS. Donc, du coup, alors est-ce que c'est comme moi? Non, il est toujours en train de mouliner des trucs. Le fait est que je vois le SSD mouliner. Hein, on a le. Je sais pas si vous le voyez bien, mais il continue de bricoler là, même si on n'a plus de mise à jour de messages là, il est toujours en train de travailler. Je sais plus si ça avait pris 20 minutes la dernière fois, moi. En fait, je crois que je l'ai laissé tourner pendant qu'on mangeait, donc du coup, je me suis pas posé les questions. C'est toujours en préparation pour l'instant, on ne peut rien faire de plus. On est obligé de le laisser bosser, ce qui est pas... Enfin, ça me choque pas la première fois, il doit créer toute la base de données, il doit télécharger aussi potentiellement les images de tous les morceaux, mais... Vous voyez, on voit, il télécharge ghcr.io / homeassistant arch 64 multicast. Donc il récupère plusieurs images comme ça, hein. La partie DNS, manifestement. Qu'est-ce qu'il nous fait aussi? La version CLI. Donc vous voyez, il y a vraiment plusieurs images où il doit récupérer les trucs. Et après, pour chaque image, il doit faire l'image principale, Raspi Home Assistant, qui date du 4 mai, finalement. Donc voilà, il a pas mal de trucs à mouliner comme ça. Donc ça me surprend pas plus que ça.
qui sont en train de mouliner. Après, moi, je sais que voilà, c'est pour ça que je rafraîchis un peu, parce que typiquement, ce truc-là, c'était pas rafraîchi tout seul. Quand il avait fini l'installation. Donc, je m'étais retrouvé à devoir... Je m'étais retrouvé à devoir rafraîchir l'interface pour qu'ils me disent c'est OK. Et en plus, en parallèle, j'avais tenté directement de brancher l'application mobile. Où ça, pour le coup, je vais faire un peu l'impasse ce soir, parce que comme c'est mon téléphone qui sert de webcam, enfin de caméra pour la partie matérielle, bon bah on verra plus tard, hein. Clairement. Mais alors ça on en a plus besoin, c'est fini. Ça je garde, ok, c'est bon. J'aimerais juste que ça prenne moins de 20 minutes, ce serait bien. Ça éviterait de se faire chier. Oh c'est marrant ça. L'animation du truc des constellations derrière là quand on passe la souris dessus. Ouh, ça se voit bien avec le... Alors, pas derrière, si je change de côté de l'écran, là, ça devrait... On peut faire joujou avec les étoiles. Ça donne aux blaireaux comme moi qui ont que ça à faire avec leur souris. Hein. Donc, voilà. Alors... Qu'est-ce qu'on pourrait dire en attendant par rapport à Home Assistant? Non, tout à l'heure, ce que je regardais, c'était de la part de Sonoff. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est peut-être un truc que je prendrais plus tard. Ça ne me sert à rien dans les 28 mètres carrés que j'ai actuellement. J'avais vu un autre truc aussi. On m'avait... Alors, j'ai peut-être mis... Je crois que j'ai mis ça dans ma... c'est ouf, c'est où les listes? Liste de... Liste d'envie. Je sais pas si je l'ai foutu là-dedans. Non. Domotique. Voilà. Il y avait quoi? C'était quoi? Donc j'avais les détecteurs d'ouverture, porte-fenêtre, machin, etc. Alors ça dit que ça nécessite le Akara Hub. Je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai un doute. Mais bon. On peut se faire avoir, hein. Ça aussi, pour le coup, les interrupteurs intelligents, ça m'intéresse plus. Parce que techniquement, c'est vous mettez ça derrière vos prises, derrière vos boutons, en fait, au niveau des murs. Et si tout se passe bien, ça continue de marcher physiquement, entre guillemets, même si vous n'avez plus Home Assistant sous la main. Donc j'avoue que ça me... Ça fait partie des trucs qui me tentent. Parce que comme ça, vous pouvez contrôler l'éclairage d'une pièce. Même quand vous n'êtes pas... Et même physiquement après derrière. Alors je sais qu'il y a des boutons complets qui existent. Qui du coup intègrent directement ce genre de module. Qui sont peut-être plus pertinents quand vous êtes vraiment chez vous. Parce que là, moi, typiquement, étant en appartement, j'aimerais bien que ce soit le genre de truc où j'ai pas besoin de remplacer complètement les boutons, et au pire, j'ai juste à virer le... Comment ? À virer le bouton quand il me sert plus. Mais... Ah bah voilà. Allez, êtes-vous prêt à créer votre maison? Oui. Du coup, on va l'appeler Seb's Apart. Hop. Voilà. Nom d'utilisateur. Ah, c'est moi. Hein. Le mot de passe. De toute façon, on s'en fout. On va mettre. Est-ce qu'il va accepter qu'on fasse de la merde en attendant pour ce soir, histoire d'être peinard? Allez, créer un compte.
C'est passé en placement. C'est quoi? C'est pour la météo? Vas-y, cherche. Chantilly, France, parfait. Hop. C'est celui-là. Suivant. Ça peut être chose près. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Analytique de base, utilisation, données statistiques, diagnostic. Bon, pas pour l'instant, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il nous dit? Nous avons déjà trouvé des appareils compatibles sur votre réseau. D'accord, pourquoi pas. Alors ça, je me souviens que oui, il affichait le statut de CODI. Parce que en fait, j'ai activé le contrôle à distance sur le CODI sur Librelec. Et j'ai pas mis d'identification. Donc du coup, il me dit ouais, c'est bon, il n'y a pas de souci. Manifestement, il a vu des appareils en Bluetooth qui fait. Ouais. Pourquoi pas. Nous voilà donc dans notre maison. Alors, notification, qu'est-ce qu'il nous dit? On a trouvé des trucs, il a trouvé une livebox en UPnP, mais il n'est pas question qu'on touche à la livebox. GG, oui, bah attends, GG, on n'a pas encore branché la clé Zigbee. Hein. Pour l'instant, j'ai aucun appareil à contrôler ou à mesurer. Donc, et puis le Librelec, on le vire aussi. Alors, du coup. Donc pour l'instant, il nous propose ces trucs-là. Alors je sais déjà que du coup, je vais aller dans les paramètres. C'est soit utilisateur, je sais plus s'il y a un truc. Mode avancé, voilà. Faut que je coche le mode avancé parce que par défaut, sinon, il y a plein de trucs qui l'affichent pas. Et ça, c'est relou. Donc, on va y aller comme ça. Alors on va aller dans paramètres. Donc là, pour l'instant, on voit il y a des modules complémentaires qu'on peut éventuellement installer. Alors, est-ce que j'ai des trucs à installer à la main ou pas? Est-ce que le multi-protocole... Ah voilà, Silicon Labs multi-protocole. Ça, il faut que je l'installe. Parce que sinon, quand je vais brancher la clé, en fait, il ne voudra pas s'en servir à cause du firmware que j'utilise. On a une bonne base déjà, ça tourne sur le SSD, tu vas pas cramer la micro SD. Oui, alors je ne vais plus cramer de micro SD, en tout cas pour ce projet-là. Mais d'accord. Alors par contre, ouf, ça me paraît chelou quand même, mais je vois là de temps en temps la diode rouge. Alors, je sais pas si vous l'avez vu. Mais la diode rouge clignote de temps en temps, ce qui est un signe qu'elle n'a pas assez d'énergie. C'est un peu compliqué. Un Pi4 en PoE, ça fait le taf de ouf. Alors oui, mais le Pi4, il est fait pour gérer beaucoup plus d'énergie, et surtout, il en bouffe. Il en bouffe beaucoup plus de base lui-même. Alors le fait est que c'est vrai que j'étais assez con pour brancher le vieux transfo 3 watts. Mais j'ai un... Ah, mais c'est que sur l'USB-C aussi que j'aurai plus de watts. Parce que de toute façon, je crois que sur l'USB, sur le micro USB, on peut pas non plus passer un million de trucs. Et en fait, quand c'est comme ça, il recommande de passer par un hub USB qui a sa propre alimentation. Allez, démarrer. Hop, modifier la configuration. Il me semble qu'il faut laisser en 460. L'automatique Ali Flash Firmware, j'y vais pas. Le Hardware Flow Control, je sais plus s'il faut le laisser. Le Open Thread Border Router, je me souviens plus s'il faut l'activer ou pas. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus, je ne me souviens plus. Il me semble que non. Ouais, enregistrer. Ah oui, bah oui, bah modifier les options alors que j'ai pas encore branché le. Ok. C'est pas grave, c'est pas grave. Info. Du coup, lancer au démarrage. On va le démarrer. Hein. Ah non, mais il n'en veut pas. D'accord, donc en fait, il faut vraiment que je branche le truc avant de... Ok, pique un chargeur de laptop USB-C de 65 watts dans l'open space. Alors, c'est pas juste une question de... Parce que j'ai une brique.
J'ai une brique même, je crois que la brique elle va jusqu'à 100 watts et 65 watts même j'ai d'ailleurs. Ouais, éventuellement effectivement tenter de redémarrer, mais le truc c'est que sur l'USB classique slash USB 2, alors, est-ce qu'une brique de 65 watts J'ai le green. Voilà, j'ai. C'est pas la question. Le truc c'est que sur l'USB A, en fait, on est limité en termes de puissance qu'on peut donner. Et typiquement, celle-là, alors c'est Ugreen. Alors, Amazon. Pourquoi il me propose que deux trucs? Non, le dock, je l'ai renvoyé, il marchait pas. Les câbles USB-C, on s'en fout. Bon, je vais aller voir mes commandes. Après tout, on avait laissé le truc ouvert. Dans mes commandes, de toute façon, il n'y a rien de très confidentiel là-dessus. Commande passée 2024. Ah, donc du coup, le bloc de 65... Je l'ai acheté avant Noël ? Sérieux ? Ça fait déjà tant que ça que je l'ai ? Ah ouais, il est là. Parce que je sais qu'il y a une nouvelle version qui est sortie depuis. Alors, donc du coup, on te dit jusqu'à 65 watts. Donc ça, c'est sur une seule des prises USB-C. Ça doit être celle avec le truc en mode computer. Alors là, on est sur du tout noir, c'est génial, donc vous n'allez pas le voir comme il faut, mais en gros, c'est celle-là. Et en fait, dans la pratique, quand on regarde le détail de... Si on voit dans plus de détails, on va pas l'avoir là. Non, bah non, évidemment. En fait, cette borne-là, voilà, on n'a que 8,5 watts. Donc en fait, même cette prise-là, ce bloc-là, là, si je branchais le Raspi dessus, j'aurais moins de puissance qu'avec le petit bloc que j'ai branché à côté. Et oui, le Pi 3, c'est encore du micro USB. Donc du coup, en fait, on est limité par l'USB 2 qui limite la puissance max qu'on peut fournir sur... comment ? Qu'on peut fournir sur le... Ah non, on peut aller jusqu'à 22 watts, autant pour moi. Si on est en mode quick charge FCP, donc ça veut dire qu'il faut quand même des protocoles très particuliers. Et je sais pas comment ça se passerait sur le Raspberry Pi. Bon, on va tenter comme ça, hein. De toute façon, on verra bien ce que ça donne. Alors. Ok, là il a trouvé le dongle Zigbee plus machin. Mais il faut pas que je le fasse comme ça. Il faut que je le laisse comme ça. Et il faut que je retourne. Il faut que je retourne dans le module complémentaire. C'est où la configuration, c'est là. Et cette fois, je lui donne le dev serial machin. Parce que pour le coup, si j'essayais d'activer le truc classique Zigbee, il m'aurait gueulé dessus qui supporte pas le paramétrage. Donc là, on enregistre la conf. On fait démarrer. Donc là, on va voir s'il démarre correctement. Utilisation de la RAM, hop, Core Syllabs multiprotocole. Ok, alors maintenant, si on retourne là-dessus, on voit qu'il y a du thread qu'on peut configurer, on voit qu'il y a du... Ok, bon. Alors, appareil. Alors, c'est là où on va attaquer les choses sérieuses. Alors,
En théorie, maintenant, tout ce que j'ai à faire là maintenant, c'est de dire ajouter un nouvel appareil. Et j'ai le bouton ici du... Comment ? Pour le capteur, on va commencer par le capteur de température, et donc le bouton, il est là. Donc là, on fait ça. Donc on va chercher... comment on fait pour sélectionner la marque ? Alors, c'est Zigbee. Il me semble que c'est ça, hein, Zigbee Home Automation. Ajouter un appareil Zigbee. Zigbee n'est pas configuré. Non, mais t'es sérieux, là ? ma gueule. Il se fout de ma gueule. Ah non, parce que là, il faut que j'ajoute le... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Merde, je me souviens plus. Ça y est, là que j'ai oublié le truc. Il y a un truc à faire en plus du module complémentaire là ? Ou... Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi dans les modules complémentaires que je voulais activer ? Non, Grafana, ce sera pour plus tard. Ah, il me semble que c'est le seul truc à rajouter. Alors ça y est, mon cerveau aurait oublié quelque chose. Ouais, non, là, il n'y a rien. Non, ça marche pas, ça. Je sais que ça marche pas. Alors, comment je fais du coup pour... Ouais, ça s'est fait. Ça, je suis d'accord, on est bon, on est là, et il voit, il a vu le truc. Alors, du coup... Ouais... Ensuite... Ah oui, non, quand même, d'accord. Donc, en fait, il faut... ok, il faut quand même que je configure... Zigbee Home Automation pour utiliser ok, donc il faut quand même que je fasse le Kekos. Alors hop, oh, vas-y, enregistre pas, pitié. Donc appareil service, donc là il faut que je configure Zigbee machin. Non, c'est pas ça. Non, vas-y, ferme. C'est ajouter une information. C'est Zigbee Home Automation. Voilà, c'est ça. Ensuite, il faut que je fasse quoi ? C'est configurer une nouvelle instance. Socket. Voilà, c'est ça. Validé. On y arrive. Ben, j'ai voulu griller les étapes, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Bah oui, évidemment. Non, parce qu'en fait, il faut... Je sais plus, il faut le faire comme ça. Non, c'est pas ça. Alors, ou alors je tente un reboot histoire d'être histoire de repartir sur de bonnes bases, parce que je sais que moi j'avais eu des problèmes avec le pas une option pour si on doit avoir une option, non, quelque part pour dire coucou, redémarre et
Tac, tac, fermer automatiquement la connexion. Ouais, ça va être par là, ça va être par là. Non, matériel, oui, mais ça c'est normal. Le Raspi 3, donc il a bien compris qu'on était sur un truc de merde. On a 1 giga de RAM, mais il bouffe déjà 600 mégas. Ok, la violence. Le stockage. Ah, putain, il a tapé 40 gigas quand même, hein, le gaillard. Hein. Parce qu'il y en a 240 là. Bon. Non, c'est pas là. Bah alors, où est-ce qu'on redémarre? Mise à jour, rien. Quoi qu'il était en train de rafraîchir. C'est là, je suis con. Rechargement rapide. Machin, option avancée, redémarrer le système. Allez, redémarrer le système, vas-y. Fais-moi un gros reboot des familles. On va regarder ce que nous dit VLC à côté. Disable, IO, U-Ring, oula. Il y a des trucs qui lui ont pas plu. Ok, bon. On va le laisser mouliner. On va voir ce qu'il est en train de faire. Il est en train de stopper des trucs. Ok. Ouais, alors c'est pas évident pour vous, hein. Je comprends parce que visuellement c'est affreux. Moi, mon cerveau fait la moitié du boulot en voyant les messages. Vous voyez, là, c'est marqué Ethernet. J'en sais rien. La sortie vidéo via VLC, tu la chopes via quoi? En fait, j'ai ce qu'on appelle une carte de capture. C'est un truc en USB qui est branché au cul du PC et qui a une prise HDMI de l'autre côté. J'ai branché la prise HDMI du Raspberry Pi dessus. La dernière fois que je m'étais servi de ce truc là, je sais plus si c'était pas pour l'installation initiale du mini PC qui sert pour le Proxmox. Donc autant dire que ça remonte. Ouais, c'est basique. Mais par contre, comme c'est un truc chinois vraiment pas cher et qui en plus là je suis sûr, je sais pas où il est mais il doit chauffer à mort. À l'origine, je m'en étais servi pour brancher la GoPro en mode HDMI. Le problème, c'est que la GoPro, la batterie est complètement rincée. Et le problème, c'est que je voulais la brancher en USB pour qu'elle puisse se charger pendant. Enfin, qu'elle puisse continuer d'être alimentée. Sauf que dès qu'on branche un truc en USB dessus, elle se met en mode transfert de fichiers. Et puis, du coup, il n'y a plus d'image. C'est un peu la merde. Du coup, lui, il est censé avoir redémarré. On va rafraîchir. On va voir ce qu'il dit. Erreur de connexion. Ah, c'est génial, ça, si ça marche plus quand. Pourquoi pourtant on a récupéré le réseau. Ok, d'accord. Bon, il a pas aimé le. En train de démarrer. Ah putain. Bon, le fait est que c'est vrai que ça clignote encore. Donc j'ai l'impression qu'il. Ah, on n'est pas à l'abri qu'il se soit amusé à. Alors on nous dit qu'il y a un truc. Ah, il y a une mise à jour. Core update. Putain, on a autre chose à foutre. Du coup, on avait dit quoi? Appareil service. On doit configurer. Alors, ajouter une intégration. Zigbee Home Automation. Ensuite, on dit ajouter un appareil Zigbee. Non, c'est pas ça. C'est configurer une nouvelle instance. Zigbee, on va y arriver. Hein. Home Automation, configurer une nouvelle instance. Là, c'est pas le dev TTI machin, c'est le socket multiprotocole. On valide. Voilà, c'est parfait. Télécharger une sauvegarde manuelle, créer le réseau. Donc là, on va créer le réseau.
22h40, on est dans les temps. Incroyable, je vais pouvoir montrer. Au moins un périphérique. Terrible. Donc à savoir, un truc intéressant avec le Zigbee, pour les gens qui regarderaient et qui ont une grande maison, c'est que le protocole Zigbee permet aux appareils de fonctionner en mode... Parfait. Qui permet de fonctionner en mode maillé. Ce que ça veut dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire en sorte que tous les appareils que vous allez brancher, enfin brancher, on parle sans fil, hein, tous les appareils que vous allez intégrer dans Home Assistant n'ont pas besoin de comment n'ont pas besoin d'être à une certaine distance de l'antenne. C'est-à-dire que là, vous avez l'antenne, ici, vous avez le capteur. Bon, là, ils sont proches, donc forcément, ils vont communiquer ensemble. Mais si j'étais très loin, dans une pièce à côté, et que je voulais brancher un truc qui était encore plus loin, ben, en fait, vous pouvez, parce que techniquement, le réseau maillé fait que... Alors, bon, il faut quand même un mode particulier sur les, sur les appareils Zigbee qui s'appelle le mode routeur, donc ça, normalement, c'est facile à trouver comme information. Mais l'idée, c'est que chaque appareil peut faire office de relais. Et donc, du coup, vous pouvez enchaîner, et donc, typiquement, avec ma prise qui serait là, ma prise communiquerait avec le capteur qui, elle, communique avec l'antenne, à partir du moment où tout est supporté. Et ça, soit vous le savez avant parce que c'est dans la documentation, soit vous le découvrez une fois que vous avez intégré l'appareil. Bon. Du coup, allez, on a autre chose à foutre. Hein. Allez, c'est parti, cette fois on peut. Donc là, j'ai lancé la découverte. J'appuie sur le bouton. Et normalement, au bout d'un certain temps, il va passer en mode couplage. Et on devrait le voir apparaître. Alors, je sais plus combien de temps il faut. Voilà, parfait. Protocole d'interrogation. Et donc là, alors, je sais pas si c'est bien visible. Si c'est bien visible, vous avez une petite commune. La petite icône avec l'antenne qui clignote. Voilà. Et donc là, il est en train de... il est en train de se paramétrer avec. Et donc, une fois que l'initialisation sera terminée, il va me demander dans quelle pièce je veux l'ajouter. On a vu très vite fait tout à l'heure qu'il avait paramétré 3 pièces par défaut. Je crois que c'est salon, chambre, cuisine, un truc comme ça. Bon, moi, le problème, c'est que salon-chambre, c'est la même pièce. Voilà. Donc, et en plus, comme je le tiens à la main, les températures sont complètement claquées au sol. Alors, c'est un petit peu long, ça me surprend un petit peu, parce que normalement, c'est pas censé être aussi long que ça. Bon, après, je vois le disque dur qui mouline en permanence. Hein. Après, donc, du coup, je comprends mieux hein, ce qui s'est passé avec la carte SD. Hein. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, si vous avez l'œil sur le... Comment ? Si vous avez l'œil sur le SSD, ça clignote en permanence. Ça ne s'arrête pas. Et ce qui est ouf, c'est qu'à côté, j'ai la diode sur le Raspi qui s'allume encore, la diode verte, alors qu'il n'y a pas de carte SD dessus. Et l'activité sur la diode à droite ne correspond pas à l'activité sur la carte réseau. Donc en fait, la diode verte, là, maintenant, je ne sais même pas à quoi elle sert. Alors, c'est quoi l'idée Mais il n'a pas fini de le paramétrer. Ah, bah voilà, nom de Dieu. Alors, ce coup-ci, température... comment on va l'appeler, celui-là? Changer le nom de l'appareil. Voilà, et du coup, c'est ça, chambre, cuisine, salon. Bon, on va mettre salon par principe. C'est tout.
Batterie, capteur de température, capteur de salon, température. Ok. Si je reviens sur l'appareil, voilà. Sur la, maintenant dans le dashboard, dans le salon, j'ai mon capteur de, d'humidité et la température. Et ce qui est affiché à l'écran correspond à ce que j'ai à l'écran. On a les mêmes valeurs, il n'y a pas de souci. Vous voyez, normalement, vous allez bien voir. Voilà, j'ai 55% d'un côté, 26% de l'autre. Voilà, 27 degrés de l'autre. Ce qui est faux, hein, mais il ne fait pas 27 hein, actuellement. Il fait 24, mais comme je le tiens à la main depuis tout à l'heure, le bordel, il prend tarif. Donc, on va le laisser comme ça pour l'instant. On va le laisser refroidir. Alors, du coup, nouvelle étape. La prise connectée, allez, faire. Alors depuis tout à l'heure en fait, je pense qu'on peut finir le live sans brancher le téléphone. Et en fait j'ai envie de montrer donc je sais pas comment je vais faire pour pas que ça soit trop le bordel. Je vais mettre la clé par là. Mettre la clé par là, ça, bon, ça peut rester au fond. Et l'idée, c'est de placer la rallonge par ici pour que vous voyez un peu la tête de la prise. Alors, elle, comme elle a quand même une broche. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai branché la prise. Et il y a un voyant rouge dessus. Voilà, tout simplement. Et si j'y arrive, parce que je sais que c'est pareil, la sécurité enfant... Oh bah putain, c'est rentré tout seul, d'accord. Je dis ça, et puis en fait... ouais, non, vraiment, les trucs que j'avais la semaine dernière, pendant les vacances, et avant... à mon avis, au moment où le truc était déjà en train de mourir, j'ai tenté de mesurer la consommation de l'appareil à raclette de ma mère. J'ai tapé dans le micro comme un boulet. Et j'ai pas réussi à avoir les valeurs. Mais bon, l'appareil fait pas... de toute façon, vu sur quoi il était branché, il risquait pas de donner... Alors, l'idée, ça va être... avant de brancher le téléphone dessus pour voir un peu l'activité, pour voir qui... On va retourner dans les appareils. Donc, appareil et service. On va dans les appareils. Donc, on a bien notre capteur Sonoff. Et donc, on va aller ajouter un appareil. Et cette fois, ça va être la prise. On va cliquer sur « Ajouter un appareil ». C'est un appareil Zigbee, donc là on a lancé la recherche, on reste appuyé sur le bouton plusieurs secondes. La prise Nous, là c'est 3600, c'est écrit au fond 3600 watts, un truc comme ça. Oh, ça a été rapide. Bon, on est toujours dans le salon et on va l'appeler prise rallonge parce que de toute façon il y aura plusieurs trucs de brancher dessus. Donc voilà. Et donc là on est censé pouvoir l'activer, désactiver. Ça marche du premier coup. J'ai vraiment... Alors, maintenant que j'ai réglé ce truc-là, c'est vraiment une meilleure expérience que... Comment ? Alors, est-ce qu'on voit bien la différence ? Oui, c'est bon. C'est allumé, c'est éteint. Parce que c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et donc là, dans le salon, maintenant, j'ai tout... Comme c'est dans la même pièce, j'ai tous les capteurs. J'ai, du coup, l'ampérage de la rallonge, la puissance... J'ai la consommation totale, donc on voit la quantité de kilowattheures, et la tension qui est disponible pour les appareils. Et donc, et on a le commutateur aussi. Alors par contre, si j'appuie sur le bouton, est-ce qu'il va bien voir? Est-ce que le dashboard va voir que la prise... manifestement, ça ne rafraîchit pas tout seul. D'accord, donc il n'a pas rafraîchi le fait que je... Alors, donc là, je voulais montrer... Normalement, si je fais ça... Ok, donc là... Alors, merde, c'est con parce qu'en fait, je cachais la prise. Voilà, ça marche.
Ça marche, ça marche. Alors après, le problème, c'est que je crois que la batterie, elle est pleine sur le téléphone, ou presque. Donc du coup, je suis pas sûr qu'on ait le temps de mesurer quelque chose en termes de charge. Ouais, je suis déjà à 98%. Après, le téléphone, il est rincé. Alors du coup, avec un peu de chance... Ah bah si, 3 watts. Voilà, on voit que j'ai commencé à... Et on a une première mesure. Voilà, voilà. Mais donc en fait, bah, le dashboard de base, vous pouvez... Alors, j'ai pas eu le temps de faire grand-chose avec le dashboard, parce que justement, le truc est mort au moment où je voulais... Où je voulais faire quelque chose en plus. Mais du coup, ça aurait été intéressant de voir... Et là où, par contre, j'ai été un petit peu... surpris, où j'étais un peu déçu, entre guillemets, c'est que je n'arrivais pas... J'ai pas trouvé comment... Ok, d'accord, on peut changer l'icône. J'ai pas trouvé comment changer la fréquence ou garantir la fréquence à laquelle il ferait les mesures. Parce que, bon, là, du coup, il est retombé à 0, on voit entre 0 et 3 watts, mais... C'est pas la folie. Alors, en plus, ouais, là, il m'affiche sur 48 heures, donc... Si je fais juste aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais on a que deux mesures, quoi. Donc, voilà. En tout cas... Voilà ce que j'ai eu le temps de faire avec ma carte SD, mais pas foufou. On a investi dans un capteur Linky connecté version bundle sexy Echo Joco. Ouais. Alors tout à fait, il y a des modules Zigbee pour les Linky, ça existe. Le problème, c'est que moi, mon compteur Linky, il est actuellement 2 étages en dessous. Maintenant, il y a une porte devant, mais avant, il était visible du trottoir. Il n'y avait aucune protection sur le compteur. Avec tous les autres compteurs de l'immeuble, hein. On est sur un très vieux truc, et donc du coup, j'ai aucun contrôle sur le Linky. Donc pour moi, il n'est pas question que je le fasse. Pour chez ma mère, par contre, où le compteur Linky, il est dans le sous-sol, bien à l'abri, là, pour le coup, ça pourrait être intéressant de mettre le même genre de système en place chez elle. Sachant que chez elle, bah justement, ce Raspberry Pi, il était chez elle avant, et j'ai installé à la place un micro PC à base de N95, je crois. Pareil, un truc qui consomme certes un peu plus, mais qui est aussi beaucoup plus puissant. L'idée étant d'avoir un petit peu plus de services qu'actuellement, c'est-à-dire juste un SSH et un chat proxy activé à la demande. Qui de toute façon va être coupée là pendant 3 semaines parce qu'elle part en Espagne à la fin du mois. C'est le genre de truc que je mettrais bien en place chez elle, la consommation Linky. Moi déjà, les prises connectées, il va y en avoir au moins 2 ou 3 de branchées. C'est l'idée. J'ai bien envie d'en mettre une là sur la multiprise. Qui sert à alimenter le bureau pour voir combien mon bureau consomme actuellement. Et typiquement, par exemple, les soirs où je stream, ou quand je joue, pour voir à quoi ça ressemble. Pour avoir une meilleure... Pour avoir quelque chose d'un peu plus... D'accord, donc ça tourne entre 0 et 3 watts. Je dois être arrivé au bout de la batterie, c'est pour ça qu'il... De toute façon, la batterie de ce téléphone-là, elle est rincée, mais je peux pas faire grand-chose avec. Le truc qui est tout collé, j'arrive pas à trouver... Ça vaut pas trop le coup. Donc voilà, donc on a fini par... on y sera arrivé. J'aurais booté sur mon SSD, j'aurais reconfiguré mon Home Assistant en deux têtes, c'est-à-dire sans retourner chercher une documentation. Et nos appareils fonctionnent. Donc voilà. Après, je veux... Alors pour ça, en plus, il faut que je revoie tous les branchements, parce que c'est un foutoir sous la télé. Entre les Switch, les Raspi, la télé, les consoles, la box,
Je sais qu'il y a des trucs qui sont branchés sur l'onduleur, d'autres pas. Et du coup, il faut que je revoie tous les branchements et qu'après, j'ai envie de mesurer un peu tout ce qui concerne tout ce qui reste allumé 24/7. Genre bah, le NAS, bon, surtout qu'en plus là j'en ai deux, mais ça va pas tarder à sauter. J'approche de la fin. Mais j'ai rencontré une galère en début de semaine avec drone qui marche plus actuellement, mais. On y arrivera, on y arrivera. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, donc voilà, on a le. Ça, c'est quoi? Non, ça, c'est la carte. Oui. Ça, c'est pour dire, vous êtes là sur la planète. J'ai encore à me pencher sur la partie module complémentaire. Alors, j'ai vu qu'il y avait un truc Grafana, je sais pas si il est où. Il est par là. Et du coup, ça permet d'avoir ce genre de truc, ouais, mais. Easy, simple to manipulate, comme on dit. On va l'installer, on verra ce que ça donne. Ouais, HACS, mais tu vois, c'est pareil, HACS, quand j'ai voulu commencer à l'installer, ça déconnait un peu. Je suis vraiment, honnêtement, pour le coup, l'installation avec la carte SD et le manque de puissance, ça peut vite devenir compliqué, sachant qu'en plus, là, on a vu qu'on était déjà assez. Ça commence déjà à être compliqué sur la partie. Alors, je vais laisser finir d'installer le module s'il y arrive. Mais sur la partie ressources, et notamment la mémoire sur le Raspberry Pi, 1 giga, c'est vraiment peu. C'est pour ça que c'est pareil, c'est pas. Je garantis pas que cette installation-là, elle va rester très longtemps non plus. Parce que finalement, je vais peut-être potentiellement. Parce que mine de rien, ça fait des mois que Pépère qui est là, il est censé passer. Parce que au final, au départ, à l'époque, on avait testé le Wake on LAN. Je m'étais dit, ce truc-là, bah, vu que le Proxmox, il me sert pas beaucoup. Je vais le garder éteint, je l'allumerai à la demande avec le Wake on LAN, et puis en fait, il s'avère que par rapport à mes besoins, il va remplacer le vieux Pentium J1900 à plein temps, et donc potentiellement, bah, je vais faire ce qu'a fait Jonathan, c'est-à-dire mettre comment? Me créer une VM Home Assistant, foutre la clé Zigbee dessus, la passer à la VM, et on n'en parle plus. Et comme ça, le truc va rester allumé en permanence, et ça, comme ça, j'aurai la VM Home Assistant, j'aurai mon bastion SSH, et puis après, je pourrais éventuellement mettre d'autres trucs dessus. Mais ça sera debout en permanence, plutôt qu'à la demande, à la place du Pentium J1900. Le seul problème du Pentium J1900, c'est qu'il fonctionne absolument, il fonctionne encore très bien finalement. Depuis que j'ai viré les VM Kubernetes. Puisque mon premier cluster K3S, c'était des VM qui tournaient sur ce Pentium J1900, bah en fait, il ne me fait plus d'erreur sur le stockage comme j'avais avant, en fait, tout simplement. Et du coup, je sais pas trop comment me sortir de ce truc-là. Alors, merci, je vais pas le démarrer tout de suite. Paramètres. À propos. Non, pas de bol. Paramètres, c'était quoi? Système? Non, c'est pas ça. Matériel, ouais. On va aller voir la gueule du truc. Non, il me dit toujours pour l'instant 600 mégas sur les. Putain la vache. Mais quand je vais activer Grafana, il va bouffer 200 mégas de plus, c'est quasiment certain. C'est quasiment assuré. Il m'a créé 65 entités pour les capteurs et les boutons, c'est ouf, hein? Incroyable. Bon. En tout cas, voilà, j'ai quand même des trucs. Il y a aussi. Alors, ça, c'est. Je le ferai pas avec Google, mais je sais qu'il y a. Ça, c'est aussi un autre truc que j'aimerais bien tester, c'est le fait de contrôler Home Assistant à la voix. Donc je pense que via l'application mobile, il y a moyen de faire plus de trucs, parce que bon, dans le navigateur, ça ira 2 secondes.
Mais il faut que je regarde les solutions qui ne reposent pas sur du Google, sur de l'outil Google. Parce que ça m'intéresse pas, tout simplement. Et comme ça permettra de potentiellement d'aller de tester des trucs un petit peu plus. Histoire de rigoler en disant allume-moi le bandeau machin, et puis hop, pouf, il y a une lumière qui s'allume. Ça, c'est vraiment le truc de geek. Le fait est que j'ai un pote d'enfance où j'étais à son anniversaire, chez qui j'étais pour ses 40 ans, m'a fait une démo, entre guillemets, parce que lui, il est vendu à Amazon, mais très fort. Et du coup, tout est équipé avec Alexa. Il a des Amazon Echo, il a des. Et il contrôle notamment, genre, il dit bonne nuit à Alexa et ça lui ferme tous ses volets. Et ça éteint toutes les lumières. Avec une commande vocale qui balance comme ça à la volée dans le salon. On va pas se mentir, hein, c'est. Ça claque un peu, hein. Ça claque un peu. Mais, bon, voilà. Ça demande du boulot, hein, pour mettre ça en place. Et surtout, si on veut pas que ça dépende d'Alexa, de Google ou de. Alors, pour ceux qui auraient un iPhone, de Siri, des options d'assistants vocaux qui tournent en local. Alors, à mon avis, déjà, le Raspberry Pi, il est éliminé, mais d'office. C'est certain. Comment? Et surtout, bah, ce sera forcément un peu plus difficile à mettre en place que. Que pour le reste, quoi. Les volets roulants par une pression sur le téléphone, c'est excellent. Ouais, non, mais même. Alors. Pareil, là, par défaut, on est sur une installation locale. Donc ça marche tant qu'on est. En local. Et du coup, si on veut pouvoir faire ça à l'extérieur, ça demande un petit peu plus déjà de sécurité, c'est-à-dire qu'on s'amuse pas à garder. D'ailleurs, normalement, en termes de sécurité, il me semble qu'on doit avoir moyen. Est-ce que je peux sécurité? Oui, voilà, on peut activer le MFA sur Home Assistant. Donc clairement, si jamais on veut faire des trucs à l'extérieur, il n'est pas question de faire l'impasse sur ce genre de sur ce genre d'appareil, sur ce genre de sécurité, c'est-à-dire qu'il faut de la double authentification. Si vous pouvez partir sur du TOTP, ça marche très bien, hein, il n'y a pas de souci. Il y a plein d'applications, vous avez Aegis, moi j'utilise FreeOTP surtout, Google Authenticator pour ceux qui. Parce que souvent en plus, vous avez certaines applications qui vous parlent de Google Authenticator, mais quand on dit ça, en fait, n'importe quelle application qui supporte le TOTP fonctionne, ce qui me fout encore plus les boules d'entendre parler de Google en permanence du coup. Et typiquement, moi, dès que je peux l'activer, ce truc-là, je l'active. J'ai pu. Alors actuellement, je me suis arrêté en cours de route, mais que ce soit. Donc j'ai Twitter, PayPal, la banque, c'est un truc à part. Amazon, c'est activé. J'ai mes NAS, mon blog, Etsner pour l'hébergement. Sur quoi je l'ai activé encore? Oh, c'est pas vrai. En vrai, là, on a fini. J'ai plus besoin de. Hop. Je vais éventuellement remettre le bureau. Mais du coup, voilà. Je vais virer la webcam. Hop. Je récupère le téléphone. Juste vite fait pour vous montrer. Voilà le trépied. Du coup. Ah bah non, puisque j'ai viré le couillon. Ah, attendez. Hop. Je suis un boulet! Je suis un boulet, voilà. Le fameux trépied avec le support à boule. Et donc le téléphone était accroché là. Voilà.
Bon, puisque vous voyez derrière, c'est le PC du client avec la souris et le casque HyperX Cloud 2 Wireless. Voilà, voilà, tout simplement. Hop. Allez, on vient. Et donc, si je termine, hop là. Donc j'ai GitHub, ah oui, GitHub aussi, mon Matomo, LinkedIn, Twitter, mon blog, j'ai un espace Slack sur lequel je suis connecté, mon Giti, Amazon, Etsner, Proxmox, mon compte Epic Games aussi est protégé par TOTP. Pour Steam, ça passe par Steam Guard et leur appli maison, donc, mais c'est quand même protégé aussi par MFA. Mon compte Mastodon, Menas, mon compte OVH, je sais plus à quelle occasion, j'ai créé un compte Rakuten et du coup j'ai activé le MFA dessus. Et pour l'instant je me suis arrêté là, mais en fait le fait est que par rapport à l'intégralité des comptes en ligne que j'ai, en fait il n'y a vraiment pas beaucoup de sites qui permettent d'activer ce genre de truc. Ou alors... on se retrouve, je viens encore de mettre un coup dans le micro, je suis désolé. Ou alors, ça demande des méthodes à la con, du type... Oh, c'est joli ça. J'aime bien quand ça fait ça comme ça. Ou alors, du type... genre SMS. Google. Vous voyez, on parlait de l'application Google Authenticator. Le fait est que l'application Google Authenticator, elle a plusieurs méthodes d'authentification intégrées dedans. Google ne propose pas de l'activer, il vous demande un SMS par défaut. C'est n'importe quoi. Ça me pète, je pète un câble avec ça. Oh, c'est sympa ça comme graphe. Donc voilà, mais donc ouais, le MFA, et tu dis, clairement, t'exposes pas sans MFA, mais c'est un confort incomparable. Ouais, ouais, clairement, après, j'ai beau taper dans le micro, on n'entend pas de bang. Bah tant mieux, ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent pas trop mal en termes de, en termes d'absorption de choc et ce genre de choses, que je sais que le support du micro, les élastiques, ils sont tellement énervés que c'est peut-être un petit peu trop... J'ai quand même plusieurs points de données, ça. Et du coup, au niveau du courant, il a rien pris. Trop bas. Okay. Vous voyez, la température, ça a quand même déjà baissé. Hein. en quelques... Je vais aller le remettre à sa place. Ça devrait baisser encore. Il y a 5 degrés d'écart entre les deux. On verra ce que ça donne. Voilà, voilà. Bon, sur ce, bah ma foi, on a revu tout ce qu'on voulait voir et on sera arrivé au bout et ça marche, ça a marché encore. Je suis content. Je suis content. J'aime bien quand ça se termine comme ça. C'est quoi la maxime ? Alors, j'ai pas le cigare pour aller avec, mais j'adore quand un plan se déroule sans accroc. J'ai déjà les cheveux blancs, ça vient très fort là, donc ça va, je peux m'amuser à le faire. Sur ce, bah, comme d'habitude, si ça se trouve, alors là, si je fais comme la semaine dernière, je vais uploader la vidéo à minuit sur YouTube et il va me le faire en 5 minutes. Je vais uploader à 130 mégabits seconde, ça va être le feu. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, sauf que là, j'ai pas encore fait la miniature, donc c'est un peu con. Donc le replay, comme d'habitude, sur YouTube ce week-end, je sais pas trop quand, hein, vraiment, alors soit vous courez vraiment après, et faites comme pour tous les YouTubeurs qui vous disent de vous abonner et de cocher les notifications, parce que je communique pas sur le fait que le replay, il est disponible sur YouTube, je le fais plus parce que, histoire qu'il y ait version une trace, comme je suis déjà fait surprendre, il y a une trace supplémentaire par rapport à Twitch, mais comment. Mais sinon, est-ce que j'ai déjà une bonne idée de ce que je vais faire la semaine prochaine ?
Non, du tout. J'ai un million de trucs, hein, pourtant, hein, mais là, comme ça, j'ai pas de motivation, donc on va peut-être pas se donner de d'objectifs. J'en saurai potentiellement plus dans la semaine, donc du coup, ce sera certainement communiqué sur Twitter, comme d'habitude. Tiens, en parlant de YouTube, le replay de la semaine dernière, il a fait quoi? Vu que de toute façon, je ne publie absolument rien. Alors, la semaine dernière, 15 vues. Incroyable. MariaDB Operator, 24 vues. Et quand vous mettez OpenSnitch, 344. Alors là, je suis surpris, tiens. Je m'y attendais pas à celle-là. Moi, j'avais surtout vu le Spotify qui avait grimpé très fort, très vite. Puis du coup, forcément, maintenant, c'est fini, hein, parce que Google a décidé que c'était pas le feu. Et puis il y en a, là, c'est carrément 8 vues, là, le truc. La magie. C'était cool, bah oui, merci. Je suis content que ça soit bien passé, parce que là, si on avait vraiment galéré de bout en bout, j'avoue que ça m'aurait un peu fait chier quand même. Pas seulement parce que j'aurais pu me douter de certains problèmes, mais surtout parce que parce que comme pour vous, ça montre un truc qui marche pas, donc c'est pas forcément passionnant. Regardez, là au moins ça fonctionne. Après, là, on rentre pas trop, on n'est pas rentré trop dans les détails. Je m'amuse pas. Typiquement, on n'a pas parlé d'automatisation. Pourquoi on va en parler vraiment vite fait, chez vite fait. Par exemple, on peut s'amuser à dire, je sais pas moi, un truc aussi con que passer une certaine heure, allume la prise ou éteint la prise, par exemple. Qui c'est qui m'avait fait ça, je sais plus. Bon, ça remonte à très longtemps. C'était une connaissance qui avait installé de la domotique pour piloter sa VMC. Donc en gros, capteur de température, capteur d'humidité dans la salle de bain. Si l'humidité passait au-dessus de 30%, pouf, il activait la VMC pour faire tourner l'air et réduire l'humidité. Et du coup, dès que ça redescendait en dessous d'un certain cran, pouf, la VMC, il l'éteignait. Comme ça permettait de limiter la consommation liée à la VMC. Ça, c'est le genre d'automatisation que vous pouvez mettre en place avec Home Assistant à partir du capteur et d'un contacteur pour la VMC. Que vous pouvez mettre soit au cul de la VMC elle-même si vous avez la place de passer dans les plafonds pour aller bricoler sur le moteur. Sinon, vous faites ça directement au niveau du disjoncteur du tableau électrique. Parce qu'on a vu qu'on pouvait installer des contacteurs contrôlables à distance. Donc vous pouvez le faire comme ça. Puis après, vous pouvez créer des trucs encore plus énervés où vous réglez plusieurs actions à partir de rejouer une scène. Ah ouais, d'accord, ok. Alors ça veut dire typiquement pour genre les streamers qui s'amusent à faire des trucs compliqués avec leur lumière, ils mettent en place les lumières, ils disent voilà ce truc là c'est telle scène, puis après c'est on change les températures, on éteint tel truc, et puis ça c'est telle scène, et puis après du coup on clique sur un bouton et ça active tous les trucs en même temps. Voilà. Ouais, là c'est une séquence d'action. Puis après ça, je sais pas trop ce que c'est. Motion Activated Light. Ouais, ça c'est des modèles, les blueprints, ouais, c'est les plans. Là, c'est quand vous voulez démarrer un truc, il vous propose un modèle sur lequel vous pouvez bosser et vous pouvez changer. Donc voilà, là on peut choisir la pièce, on peut choisir aucune pièce correspondante. Là, il n'y a pas d'entité, là, il n'y a pas d'entité. Bon, bah, est-ce qu'il n'y a pas de capteur de. Ouais, voilà. Comme il n'y a pas de capteur, on ne peut pas s'amuser à choisir la lumière, on ne peut pas choisir l'appareil. Voilà. C'est normal qu'on ne puisse pas faire ça. Mais il y a plein de blueprints, donc c'est le genre de truc qu'on peut bricoler. On pourra revenir dessus plus tard, mais voilà, faudra du matériel en plus, faudra des choses en plus, je pense. Sur ce, je vais vous laisser là, j'espère que ça vous a plu. Bon, au moins Kenny, a priori, il est content. Moi aussi, je suis content.
Et puis, bah, voilà, je vous tiens au courant via Twitter de l'idée que j'aurai pour la semaine prochaine. Je vais voir un peu dans les trucs que j'ai à faire, ce qui me motive. Il y a beaucoup trop de trucs, hein, donc il y en aura forcément un qui me plaira plus que l'autre, mais là, pour l'instant, je sais pas. Voilà. Où est-ce qu'on est? On est là. Enfin, j'ai changé le nom de la scène, du coup, je suis paumé. Sur ce, passez une bonne fin de soirée. Bonne nuit si vous êtes déjà rincé et que vous allez vous coucher tout de suite. Et puis, bah, on se retrouve plus tard sur les internets, vendredi prochain, à 21h. Au changement de dernière minute. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Allez, ciao, ciao!